J'ai commencé la musique à 4 ans, en train d'apprendre le piano avec ma grand-mère en fait. Et elle m'a appris dans une caravane où elle avait son piano à queue, les grandes caravanes. Elle m'a appris le piano et tout de suite elle a remarqué que j'ai une don pour improviser. J'ai fait certaines grandes écoles de musique, j'ai fait le Royal College of Music. Après j'ai fait le Brit School of Performing Arts and Technology. Et c'est là que j'ai appris beaucoup comment on arrive à faire sur la scène et aussi comment on arrive dans l'industrie de la musique. Je joue le saxophone, tous les saxophones, donc il y a plusieurs. Je joue le flûte traversière, je joue les instruments percussion, je joue les batteries, je joue le basse, je joue la guitare et je joue le piano. Donc je ne sais pas combien ça fait. Et aussi ma voix, voilà. Les instruments que je ne joue pas, c'est les trompettes, trombones. En 1996, j'ai sorti mon premier album. C'était un hip-hop jazz album qui s'appelait Raymatics, avec un label qui s'appelle Ultimate Dilemma. Et c'était un mélange de... J'avais un DJ, j'ai joué tous les instruments. Après, le saxophone, bien sûr. C'était un instrumental disque qui m'a donné l'opportunité à jouer avec certains grands rappeurs. Par exemple, MC Solar, j'ai joué avec lui. Menelik, un rappeur français aussi. Donc ça m'a donné beaucoup d'avenir dans le hip-hop, le soul et le R&B. Le parcours de mon carrière a pris avec les groupes de reggae où on faisait les morceaux avec les grandes stars de reggae comme un tromboniste Rico Rodriguez par exemple. J'ai tourné avec lui et on a fait les standards de jazz mais sur les rhythms reggae et ska. Et c'est là où j'ai vraiment eu mon goût pour le jazz et j'ai continué à foncer, à entraîner, à apprendre à jouer le jazz sur mon alto saxophone. Voilà. La plus grande star de jazz avec qui j'ai joué, c'est un monsieur qui s'appelle Clifford Jarvis, qui était le batteur de John Coltrane, par exemple. Aussi, j'ai joué avec un bassiste qui s'appelle Wayne Dockery, récemment, qui a joué avec George Benson, Stan Getz, et plein de monde comme ça. Le concert que je faisais ce soir, c'est en fait, ça touche vraiment à mon cœur parce que c'est les chansons que j'ai enregistrées. Et en fait, j'ai écrit ces chansons, ça fait depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et là, j'ai l'occasion maintenant à mettre ça sur la scène. Et c'est vraiment proche de mon cœur parce que c'est mes histoires de qu'est-ce que j'y pense, blablabla, des choses comme ça. Le concert ce soir, j'étais très heureuse avec l'équipe. J'ai un batteur qui a fondé une équipe un peu avec moi, c'est Jérôme, que je connais depuis que j'ai installé ici. On a joué ensemble dans un groupe de funk. Et en fait, j'ai demandé à lui qui veut aimer jouer avec. Et c'est eux, on a fait plusieurs concerts maintenant ensemble. Et là, on fonde une superbe équipe et je suis hyper content avec ce qu'on a fait ce soir. Ouais. J'ai joué avec autre formation. J'ai une formation de jazz où ça s'appelle le Ray Lazel Trio et on joue du modern jazz, voilà. Mes compos et aussi les standards réarrangés. Et aussi, je joue dans un groupe de chansons françaises qui s'appelle El Surfisto. Et c'est les chansons françaises, un peu world chansons françaises.
J'ai un album en préparation que j'ai commencé à enregistrer il y a quelques mois. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va sortir 5 chansons extended play. Déjà, on essaie à faire ça pour le printemps. Et après l'album, plus tard. Donc voilà. Et sur l'album, je joue tous les instruments en ce moment. Et certaines chansons, je vais remplacer certains instruments avec l'équipe que j'ai ici. Voilà. On espère que ça peut sortir l'année prochaine, avant l'été.